fait, mais l'origine de ce mot, en fait, ça veut dire habité par les fées. C'est un petit café serré. Vous ne pas tout café à votre âge. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a ces neiges fines, en fait, qui est balayée par le vent. Et enfin, le dernier, c'est champagne. Champagne. C'est quel Ensuite, on va commencer par les enfants qui ont participé à l'atelier d'écriture et je vais appeler Luna. On l'applaudit bien fort. Chaque fois, je pars en vacances en France, dans le nord, pour chercher de l'or. Je suis accusée parce que je suis rusée. Je vais voir ma cousine, la fouine. Mon chat s'appelle Sacha. Bravo. Alors, je me mets à la tête des enfants. Donc, oui, je voulais dire, les mots que vous entendez, chafouin, par exemple, c'est un mot issu du nord de la France. Alors, je les ai fait travailler sur 10 mots de la francophonie. Je vais prendre comme ça, ce sera plus simple. J'ai pris 10 mots de la francophonie, donc c'est une thématique, en fait, qui est internationale. Ces 10 mots-là sont repris dans toute la francophonie. Pour faire des ateliers comme l'exposition que vous avez vue. Il y a une école qui a travaillé là-dessus, donc la classe de Céline. Céline qui est juste là et certains de ses élèves sont ici. Il y a l'association Esprit aussi qui est dans le salon du livre avec qui on a fait les calligraphies que vous avez pu voir à l'entrée. Voilà, donc c'est 10 mots de la francophonie. Il y en a 10, vigousse, fada, ristrette, lumerotte, poudrerie, je ne m'en rappellerai pas de tous. Mais bon, voilà, vous allez les entendre là dans les textes et ça a été la thématique du jour. Donc tout de suite maintenant, je vais appeler Mathias. Mathias, je vous demande d'applaudir bien fort. Draché. En Belgique, le public est super. Et les flaques mettent des claques. Je mets ma capuche et je prends ma peluche. Je me suis habillée, mais je suis niaise. Et les gouttes s'écrasent sur la route. Super. Donc, pour la suite, je vais appeler Ewen. Ewen est-elle là? Oui, elle est là. Allez, Ewen. Dans le camion coloré, je me suis habillée avec un joli petit uniforme. Départ pour Haïti! Cette grande camionnette devient pour nous une petite maisonnette. Elle est pleine de couleurs. Ce qui me procure beaucoup de bonheur. On part dans le nord avec comme seul moyen de transport notre grande camionnette. Attention! Attention! Nous arrivons. Ah, c'est des fois un peu intimidant de passer comme ça derrière le micro. Donc alors, Meja? Est-ce que Meja est là? Maya! Ah ouais, j'avais transformé le I en J. Alors bien, je t'en prie, on l'applaudit bien fort. En Belgique, il y a des moustiques. Dans la nuit, poussent les fruits. Je me dirige en arrière pour éteindre la lumière. Les abeilles ne descendent pas du ciel pour récolter le miel. Pour faire du pot-au-feu, il faut du feu. Merci beaucoup. Donc Maya, après Maya, je vais appeler Susan. Est-ce que Susan est là? Oui, elle est là, Susan. Elle applaudit bien fort. Besoin de réconfort. Il est suisse et il fait partie de la police. Il adore le sport et il en voudrait encore. Quand on est dans la danse, on a de la cadence.
Les mythes nous rattrapent vite. Donc, pour les enfants, le dernier que je n'ai pas pu, je crois que c'est Raphaël. Raphaël, tu veux nous rejoindre? Tu viens nous rejoindre? Allez. J'ai mis une bête dans la camionnette et j'ai même mis mon âne dans la caravane. J'ai trouvé une astuce pour tout mettre dans le bus. Toutes les sortes de camions sont rentrés dans l'avion. Attention, le sport est interdit dans ce transport. Alors vigous, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un mot qui vient de Suisse et qui veut dire vigoureux. Donc alors tout de suite les enfants, il y a Thomas quand même. Allez, Thomas. Dans une camionnette, il y a une fillette des Antilles. Son père est romain, il a peur des couleurs et des transports en commun. Sa mère, elle, vient d'Haïti. Sa sœur vient de Tahiti et c'est une fille très gentille. Donc là, le mot, c'était tap-tap. Tap-tap. Alors, qu'est-ce qu'un tap-tap? Un tap-tap, c'est une petite camionnette qui se trouve en Haïti et qui sert à transporter les gens. En fait, c'est une camionnette colorée. Voilà, donc pour les enfants, ben je vous remercie à tous, vous avez été formidables, vous avez super bien participé à l'atelier, vous avez fait des superbes réalisations. Donc si vous voulez voir leurs réalisations, elles sont dans le couloir, c'est des choses qu'ils ont fait avec leur maîtresse pendant leur temps scolaire, et il y a vraiment des choses super qui rejoignent tout à fait le fil d'Ariane, puisqu'ils ont travaillé sur le fil, donc ça rejoint tout à fait notre univers. Et après, il y a aussi des super définitions que j'aime bien, alors sur les mots comme ristret, comme vigous, c'est des choses qu'on n'utilise pas tous les jours. La maîtresse est partie en fait sans leur dire vraiment ce que voulaient dire ces mots, donc chacun a trouvé ses définitions et il y a vraiment des choses très croustillantes. Francophonie. Oh, langue douce et langue folle, toi qui nous regroupe et qui nous réjouit. Il y a tant de mots qui font que l'on s'immole quand certaines bouches se taisent ou se délient. Oh, francophonie, toi qui nous rassemble sur des lettres de Molière, toi qui fais que l'on se ressemble, que l'on se nomme Jules ou bien Kader. Il y a tant d'espace entre les lignes des chemins que tu nous ouvres, et pourtant des carapaces s'élèvent, se défont, même si l'on sait que tu nous couvres. Oh, drapeau de la liberté qui rougit de ses trois couleurs, près de toi se sont rassemblés d'autres sons et lettres aux multiples saveurs. Oh, territoire lointain qui ne peut entendre les cris de tous les mots, laisse ouvrir ton regard et vole, vole bien haut au-dessus du grand douaneau. Oh oui, longe les rivières de l'histoire qui te mènent sur toutes les langues. Viens visiter les racines profondes qui nous ont fait grandir comme de belles mangues. Fais que tes courbes dansent parmi le mélange de toutes nos cultures. Viens te bercer sur les verbes étendus des lettres que dans le calme on te murmure. Oh, toi la nature profonde qui glisse dans les artères de nos apprentissages, laisse-toi naviguer jusque toutes les berges des francophones sages. Ouvre le sentier qui nous fait bondir sur cette langue au chat perché et transporte-nous vers cette mer qui nous élève sur la route du bon français. Grimpons sur les hauteurs de Mallarmé et de Baudelaire qui nous enchantent. Dispersons toutes nos belles phrases et faisons disparaître celles violentes. Allons à la rencontre de nos frères et sœurs qui se trouvent derrière les collines. Et dansons tous ensemble sur des poèmes que nous a concoctés Alphonse de Lamartine. Oh oui, bout de terre qui se nourrit de cette langue, qui défriche et ensemence nos paroles. Élargis-toi de tous tes membres et viens te déposer dans les classes de nos belles écoles. Donne-nous toutes tes couleurs et toutes tes nuances qui nous font rire et pleurer. Ouvre-nous ton cœur que l'on puisse l'entendre battre de toute sa belle musicalité. Déploie tes ailes que l'on survole tout en espèces que l'on trouve bien chouettes. Partageons ensemble tous ces assemblages qui se rejoignent dans nos têtes. Oui, toi la francophonie qui nous permet à toutes et à tous de pouvoir communiquer. Inspire tous ceux qui te croisent, car pour eux c'est un plaisir de t'avoir rencontré. Merci.
Thank you.